tu n'es pas facile. La voisine. Doula. Il t'a dit qu'on m'appelle la petite souris qui perce les gros sacs d'arachide. C'est ça, comment tu touches souvent ta femme ici? Tristement. Chez nous, on nous appelle Bon Bandje. Le lion ne meurt pas. C'était ça encore. Comment? Et puis tu sais, on se voit. On doit changer. Il nous vient même l'hôtel. Ouais, les est parti. Il n'est pas passé devant toi. Tu me seulement quand je suis au balcon là, je te guette. Tu as été fait des trucs là. Tu es devant moi. Tu sais qu'au quartier, ça bavarde. Les gens soupçonnent déjà. On dit souvent quoi, 99 jours pour le voleur, un jour pour moi j'ai peur. C'est pas le voleur, c'est notre cœur qui nous parle. Si elle me prend, on dit là, que je le suis cœur... en fraglant des lignes. Ouais. On dit que le cœur, c'est pas bon. L'histoire que tu le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Hein? On voit un petit coup à tête, ça, comme tu dis. Le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Elle était collée au mur. Tu es dangereux, toi, là. Tu me fais un bien peur. Si tu attends quelqu'un. Non, mais le câble, mais à quelle heure? Tu as dit que. Oui, c'est qui? C'est qui? Tu attendais quelqu'un. Tu n'attendais personne, non? Oui, oui, je viens! Elle est venue chercher le sel, elle est venue me demander le sel. Depuis elle a eu, tu as mis le sel où? Hein? C'est la voisine, non, tu ne la connais pas. Elle est venue demander le sel, elle m'a dit que. Apparemment. Je suis le point de partir. Comme tu m'as dit que. Je m'attends, te paix. Pour me crisper. J'étais sur le point de partir. Partir où? Il n'y a pas le sel, c'est elle qui a le sel. Tu n'as même pas honte, même menti te dépasse. Même menti te dépasse. Non, mais le sel où? Non, mais le sel où? Ici. Viens, mais c'est ici. Que je viens de le sel. Quand tu vas avoir pour le sel. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu vois, ouais, moi, j'ai été croyant en quelque chose. Ne me tente même pas. Va t'asseoir là-bas. Le... Mm-hmm. Elle est venue chercher le sel. Elle est venue chercher le sel. Tu la connais, non? Celle qui habite ici en bas. Quoi, le sel que elle tu la connais, non? Tu lui as donné le sel. Non, j'ai fouillé le sel partout. C'est Dieu qui a créé le sel. Vous refusez, vous défendez le sel. Non, non, c'est... Pas non! Voyons, tu m'en bats. Ouais, tu m'en connais. Tu m'en bats, c'est moi. Va là-bas. Sois sauvage. La belle façon comment c'est la réunion de quoi? Marcus, un peu que je sors pour que je passe chez ma mère. Tu as appris une femme juste à la voisine. Attends, ouais. Et puis toi aussi, quand tu dis que tu passes chez ta mère, passe chez ta mère. Il faut aimer ta maman. Tu passes chez ta mère, tu fais demi-tour, tu rentres comment? Quand tu dis que tu passes, moi quand je dis que je suis déjà dit, j'ai déjà dit ici un jour que passe chez ma mère, je suis revenu. Tu passes chez ta mère une fois. Marcus, juste. Non, maintenant, quelqu'un vient chercher le sel. Maintenant, tu commences à faire les problèmes. Tu fais les problèmes pourquoi? Tu cries sur moi. Non. Tu cries sur moi, Marcus. Tu as vu maman. C'est ça que j'ai allé naître. Ouais, tu as vu maman, alors. Tu as vu maman. J'ai vu maman. Vous revenez même à ce que je venais seulement te dire que je ne voulais même pas venir ici si tôt. Assieds-toi. Va au carnet. Quand maman a un problème. C'est au carnet de maman là-bas. Tu vois pas mon nom. Va au carnet, tu es. Je peux partir. Mais là, ouais, c'est ton nom. Tu veux seulement les problèmes. On te demande de t'asseoir. Tu veux que tu es comme l'insecte. Ouais. Voilà le carnet, non. Le carnet, non. Tu es enceinte. Donc, moi-même, si elle te dit que je suis enceinte, tu vas accepter. Si elle te dit que oui, là, j'ai le retard même de quelques secondes, tu vas accepter. Lis le carnet. Si tu es déjà enceinte, si tu me dis de lire le carnet. Je ne suis pas enceinte, lis le carnet. Ma collègue, ma water bowl. J'ai mal au nez. Ouais, mais alors. Pardon, je veux partir. Voilà, halal carnet. Positif, c'est pour qui? Marcus, lis le carnet. C'est pour qui? C'est pour nous. C'est pour nous comment? Voyez ton nom, non? C'est pour toi, non? Marcus. À l'église, le jour, on a dit le meilleur, le pire. Donc, si le pire m'arrive, le pire doit t'arriver. Voilà ça. C'est écrit quoi? Ah, ça, non? Il y a un problème. Marcus, ne me tente pas. C'est écrit quoi?
C'est écrit quoi là-bas? Ouais. Peut-être que tu ne... Je n'entends pas. C'est écrit quoi? Quoi? C'est le village, non? Pas ce nom. Pas le village, non? Quoi? C'est pour toi. Hein? C'est pour toi qui est positif. Pour qui? Pour toi, le village. Si pour moi est positif, pour toi est positif, ça veut dire qu'aujourd'hui là, nous sommes séropositifs. Attends, maman, pour toi, le VIH. Tu as le VIH. Oh, ça t'étonne, maman. J'étais pourtant bien démarré. C'est quoi? Qu'est-ce que le VIH a à voir avec le sel? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Tu n'as pas venu chercher le sel. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Tu sais que tu es séropositif, tu vas me donner le VIH, pourquoi? Ma chérie, je te préviens que tu es chez moi, ne crie pas ici là. Quand tu es venu, tu as dit que tu venais chercher le sel. Je te demande de te protéger. Je te demande de te protéger. Tais-toi là-bas. Je vais demander de te protéger. Je suis chrétienne. Tu as dit que tu es venu chercher le sel ici là, on cousserie. Donc ça veut dire que toi, tu n'es même pas dans notre clan. Nous sommes nos deux séropositifs. Ça ne te concerne pas. Tu as fait. Pardon? Tu as fait. Elle a venu chercher le sel. Ah ah. Pourquoi je dis que je suis séropositif, mon mari, c'est tu te plains. Tu te plains pourquoi? Ferme ton bec. Tu me la boucles. Sauf si tu sais que tu as fait quelque chose ici là. Et si c'est le cas vraiment, nous sommes un kilo de séropositif. Et Marcus m'a été dit que ne me tente pas. Je t'ai dit ici là que je voulais faire la polygamie. Donc à partir d'aujourd'hui, maman, j'accepte troisième femme ou deuxième femme. J'accepte le mariage. J'accepte. On ne fait pas ce que tu fais là. Et toi là-bas, tu as l'habitude que tu pries, là-bas dedans même, c'est toi qui dis oh Seigneur, tu appelles Dieu à quel moment? Tu appelles Dieu à quel moment? Elle est partie. Ah! Ah! Oh! Tu as fait combien de fois? J'ai fait 12 fois. 12 fois. En 13 ans, c'est sorti comme ça. Hey. Moi-même, tu n'aimes même pas. Et les gars, même, tu n'aimes même pas. Tu veux me comment vous parler les enfants déjà? La voisine, maman. La voisine, ya! Elle est venue passer ici là. Elle m'a même forcé. Ta terre même Dieu t'a refusé, toi on avait lancé ta part comme ça. Non, on a le sida. Fous-moi le camp, mais bien vite ami. Sauvage. Tu sais que nous on a le sang fort dans la famille. Tu peux voir comme ça que moi je pas ça. Moi je vais aller faire mon propre test. Tu n'as même pas honte. Vraiment, j'étais eu papa. Tu n'as pas le VIH. Mais il veut te dire que la prochaine fois, c'est la syphilis qu'il y a avec. Hé, ne touche pas. Oh, Kouswan. Hein? Après, tu peux avoir une semaine dehors. Va retrouver ta voisine. Je te dis même que. Mais doit partir vraiment. Ouais. Oh, mais tu trouves qu'un petit vieux comme ça, tu es mort ici là. Aussi, oui, bon, on dit que tu es calme, nous, les gens, tu cherches quoi? Hein, mané tout le monde. Regarde, ouais, ta fille là, Emma, c'est même la dernière fois. J'allais le laisser avant le pari, elle va déménager. Elle va déménager. Elle est venue ici, elle prie comme ça, là, séduiseuse. C'est une séduiseuse. Elle m'a séduit. C'est une séduiseuse, tu peux pas imaginer. Tu sais. Non, regarde. C'est que c'est ton père, la prochaine fois, il prend ton père. Tu comprends, non? Et tu jures qu'il va épouser ton père. C'est la dernière fois. Pardon, va t'asseoir là-bas. Coco. Mais elle est si dans mon père.